Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors, je vous retrouve donc pour la seconde phase de l'arrachage de pommes de terre. En fait, j'ai complètement oublié d'en parler la dernière fois. Mais si nous avions planté nos pommes de terre sur deux parcelles distinctes, c'est parce qu'il y en a une des deux qui allait servir de témoin à une petite expérience. Alors que la parcelle que nous avons arrachée la dernière fois ensemble, n'a subi aucun apport d'aucune sorte. Là, j'ai donc, encore une fois, le résultat. Alors, je vous avais dit dans la vidéo précédente, 8 kilos, bon, c'est tout à fait ça, hein. Il y a 8 kilos 6, exactement. Hein, il y a 8 kilos 6 de pommes de terre, j'ai pesé cette fois, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai pesé, donc, il y a 8 kilos 6 répartis en pommes de terre. Alors, la plus grosse, voilà. Après, très vite, on descend de calibre, hein. On descend vraiment en calibre, après ces pommes de terre qu'on peut qualifier de moyenne. Et puis j'ai séparé un petit peu la grenaille à côté, quoi. Voilà. Ça, c'est la parcelle 2,5 m² sur laquelle il n'y a absolument rien eu. Maintenant, je vais vous montrer la parcelle que j'ai arrachée aujourd'hui. Vous allez voir, c'est sensiblement différent. Voilà donc les pommes de terre que j'ai arrachées aujourd'hui. Alors là, déjà en termes de poids, on n'est plus à 8,6 kg, mais 12,8 kg. Hein, donc il y a 4,2 kg d'écart, c'est quand même important, il y a 50% de poids en plus, hein. Voyez un peu, et surtout j'observe une différence quand même flagrante dans le calibre, hein, des pommes de terre que j'ai pu recueillir sur ces 2,5 m² ici, hein. Alors je ne me souviens plus si j'en avais parlé au moment où l'expérience a démarré. Il me semble que oui, mais je l'ai peut-être pas fait dans le cadre d'une vidéo. Mais la différence fondamentale est très simple entre les deux parcelles, c'est qu'ici, il y a eu du crottin, alors que sur l'autre parcelle précédemment récoltée, il n'y en a pas eu. Donc il y a eu du crottin à hauteur de 25 litres à peu près par mètre carré. Hein, faites le compte, donc c'est pas énorme, hein, 2,5 m², 25 litres de crottin au contact du sol directement après plantation des pommes de terre, avant que les verdures ne dépassent. Et ensuite, quand les verdures commencent à dépasser du sol, j'ai apporté le foin comme je l'ai fait sur l'autre parcelle. La seule différence, c'est ce crottin. Donc vous voyez que la différence est flagrante, encore une fois, en termes de poids au total et en termes de calibre, vraiment sur les pommes de terre, ce sont des pommes de terre Victoria dans les deux cas. Elles ont été plantées à la même densité, en même temps, elles ont subi la même sécheresse, la même gelée à un moment donné. Enfin voilà, il y a eu absolument aucune autre différence. C'est simplement ces 25 litres de crottin par mètre carré qui ont fait la différence. De crottin, je le précise bien, pas de fumier de cheval, on est bien d'accord. Hein. Donc, chacun en déduira quelque chose. Hein. Je pense qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses là derrière. Pour ma part, je partage avec vous la conclusion à laquelle je suis arrivé en fonction de mes connaissances personnelles. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'un engraissage, hein. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une fertilisation. Le crottin, en l'occurrence, j'en avais parlé précédemment, est assez peu fertilisant. Par contre, j'y vois vraiment un activateur de la vie biologique de mon sol, un activateur extrêmement performant. Je suis convaincu que mon sol a été amélioré en termes de structure, c'est-à-dire qu'il a davantage retenu l'eau que sur l'autre parcelle, du fait de cet apport de crottin, même si on n'a pas eu beaucoup. Je suis convaincu que j'ai nourri vraiment toute la vie présente dans le sol, sous ces 2,5 m², beaucoup plus qu'ailleurs. Et le sol étant biologiquement activé, vraiment, eh bien, il y a sans doute eu davantage de décomposition, de tout ce travail, toute cette chimie organique qui se passe dans le sol, de naissance, de mort, de déjection, de galeries creusées, d'aération, et j'en passe. Hein. Voilà, je crois vraiment que la différence, elle est là. C'était juste pour ça, voilà, je vais pas aller plus loin. Je crois vraiment que ça valait le coup d'être marqué, avec ou sans crottin. Voilà, la récolte de pommes de terre n'est pas du tout la même, et ça m'aide peut-être aussi un peu à comprendre les... Ben voilà, on a des betteraves énormes, on a des choux, j'ai des choux là qui prennent 1 m². Bon, je crois que ce crottin, par ailleurs, a bien fait son travail sur l'ensemble du jardin. On en a apporté en tout, je crois, 1,5 m³, hein, environ 600 litres.
Hein, voilà. Et on va reprendre les apports. Ben, en fait, je viens juste de reprendre là. On vient juste de recommencer. Donc là, ici, tout l'automne et tout l'hiver, de manière à ce que l'année prochaine, on en ait davantage, hein, probablement 2,5 fois, 3 fois plus que cette année. Donc ça devrait encore contribuer à grader tout doucement notre sol. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous retrouve très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.